Une mission qui impliquait des œufs, de la farine, des masques et du gel hydroalcoolique. Alors, bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va faire des Paris-Brest. Petite recette sympathique, traditionnelle de la cuisine française. Vous pouvez d'ores et déjà mettre votre four à chauffer à 180-190 degrés, chaleur tournante. De mon côté, la pâte à choux est prête. Hop, je me lave les mains. Ouais, ça devient de plus en plus grave, Delphine, et on va voir ce que ça donnera dans 3 semaines de confinement. Je pense que je pourrais presque arriver chez l'un d'entre vous et l'y porter. Hop. Donc, comme d'habitude, Maxime, suis vos commentaires sur Facebook. Moi, je jette un œil de temps en temps. Et oui, Noémie, rien ne t'échappe pour le papier toilette. Pour ceux qui nous rejoignent, donc salut Insta. Ceux qui nous rejoignent sur Facebook, vous pouvez participer avec le large panoramique au jeu où se trouve le rouleau de papier toilette qui change à chaque live. Et pour Insta, vous pouvez cliquer sur le lien qui est dans ma bio si vous voulez jeter un petit coup d'œil, revenir sur Insta. Vous êtes plus proche de moi comme d'habitude. Donc ma pâte à choux est prête. Est-ce qu'il y en a qui font la recette en même temps que nous aujourd'hui? Pour savoir après au niveau de la rapidité pour que je puisse ajuster. Donc là, pâte à choux, je vous invite à regarder le live qui a été fait il y a 2 semaines. Vous pouvez le retrouver à partir de ma page Facebook Pro. En fait, tous les lives qu'on a réalisés depuis le début avec Maxime sont listés. Vous les avez de 1 à 24. Aujourd'hui, c'est le 24e live, les Paris-Brest. Donc, on va utiliser 2 moules. Je voulais tester le moule donuts, qui est une nouveauté. Et je voulais tester de faire des Paris-Brest dedans. Je ne l'ai pas encore fait. Et sinon, on va le faire traditionnellement sur une toile de cuisson. J'ai pris une toile Silpin qui est ajourée, qui permet d'avoir une bonne cuisson, qui laisse passer la vapeur. Chez vous, vous pouvez utiliser une toile siliconée Silpat classique ou un papier sulfu, bien entendu. Je me munis d'une douille et d'une poche à douille. Ici, j'ai pris une douille unie, une douille lisse, diamètre 1 cm. Je n'arrive pas à tout lire, mais là, tout le monde est arrivé. Ah, et bien, salut à tous. Alors, je galère un peu sur le cadrage, je ne sais pas s'ils ont vu. Hop. On a rajouté des effets spéciaux sur le début de la vidéo aujourd'hui pour ceux qui ont vu. Hop. Tiens, il y a Loulou, il y a Denis, il y a Magali, il y a tout le monde qui est là. Sylvie. Salut Sylvie, salut à tous. Donc ceux qui étaient là hier ont vu que c'était les premiers pas de mes grands-parents sur Facebook pour venir nous rejoindre sur le live. Si vous voyez passer un Pierre Nimeskern, c'est mon grand-père. On croise les doigts pour que la connexion fonctionne aujourd'hui et qu'il puisse intervenir. Alors, avec l'humour qui circule dans la famille, je pense qu'on sera pas déçu. Hop. Alors. Mon père est là, il est là. Parfait. François, Marie-Claude. Salut Stéphie, salut François. Salut Marie-Claude. Stéphie, Véronique, Martine, Elisabeth. Hop, alors je vois Denis, mais sur Instagram, je sais pas si. Non, il est sur les deux. Il est sur les deux. Ah. Céline. Hop. Donc là, j'utilise mon racloir pour venir pousser la pâte, je chasse les bulles d'air, j'utilise la petite pince pour venir clipser ici, super pratique pour éviter le reflux de matière. Et donc maintenant, toc, je viens utiliser la toile Silpin d'un côté, mon moule donut de l'autre. J'utilise le même découpoir que j'ai utilisé hier pour faire les michons. Je viens tremper dans la farine et je fais un petit rond sur le tapis de cuisson. Ça me permet en fait d'avoir pile la marque. Hop. Il y a mon petit frère aussi qui est là. Salut Maël. Il y a Cathy, il y a Chantal. Salut Cathy, salut Chantal. Hop. Du coup, il y a Loulou qui est là aussi. Parfait pour notre week-end de Pâques teinté de gourmandise. Alors, pour la poche à douille, je vous invite à regarder les lives précédents sur la tenue. On en avait bien parlé. Hop, il me semble que c'était pour les langues de chat. Donc je viens l'attraper de ma main droite et ici je vais venir en fait déposer un cercle de pâte en circulaire en suivant en fait les lignes. Hop. Il y a Annie qui a partagé, tu peux la remercier. Merci Annie. Alors je vois rien, est-ce que tu peux me dire ce que ça donne après? Toc. Et là je viens faire des cercles. Est-ce que c'est bon? Est-ce que tu vois? Pardon. Attends, je suis désolé, je peux pas lever la tête. Ouais, c'est parfait, nickel Maxime. Ah, attention, je bouge un peu, donc attends. Donc pour Instagram, on est nickel.
Et là, je viens faire en fait des cercles unis. Là, je fais donc des Paris-Brest individuels. Si je faisais des Paris-Brest grand format, je viendrais hop, rajouter un deuxième cercle concentrique autour et un troisième concentrique également sur le dessus. Ce qui fait que ça ferait par exemple deux boudins, un au centre, un à l'extérieur et un troisième par-dessus en étage 1. Top. Je viens refaire un autre ici et je garde de la pâte pour venir en mettre aussi dans le moule de neuf. Je suis assez curieux du résultat. Alors, hop, je viens déposer même chose, un boudin à l'intérieur. Délicat avec sa douille, Denis précise. Coucou les garçons, Héloïse est avec nous. Salut Héloïse. Yolande aussi, qui a passé une commande hier, je crois. Salut Yolande, effectivement, je l'ai vu passer. Elle a craqué pour la spatule bleue. Et du coup, je vais prendre ton instant gourmand. Oui, si vous voulez, vous pouvez retrouver dans mon instant gourmand la liste en fait de tout le matériel que je vais utiliser aujourd'hui pour les Paris-Brest. Hop. Nickel. Parfait pour les Paris-Brest, donc vous pouvez utiliser bien entendu le matériel que vous avez. Pour certains, n'hésitez pas à contacter vos conseillers si vous en avez par rapport à l'offre qui court actuellement sur les 10 euros. Ça concerne tous les nouveaux clients, en fait, tous ceux qui n'ont pas encore commandé sur la boutique. Vous avez 10 euros offerts avec le code fait maison. Hop. Si vous n'avez pas non plus commandé, vous pouvez vous faire parrainer également par votre conseiller pour bénéficier d'un code de 5 euros. Et si d'aventure vous avez déjà commandé, vous pouvez parrainer à votre tour des personnes de votre entourage pour leur offrir 5 euros. Et lorsque les personnes utilisent ce code, vous bénéficiez à votre tour d'un code de 5 euros. Donc en ce moment, il y a de jolies choses sur la boutique. Il y a Annie qui est déjà conseillère, c'est Laurence, je ne sais pas si tu connais. Oui, Laurence Gabet. Lablé Gossin. Lablé Gossin. Ouais. Alors là, comme ça ne me dit rien. En tout cas, on est bien nombreux. Alors. Ah, Pierre-André nous a rejoint. Salut Pierre-André. Pierre-André, c'est notre voisin du dessus. Ouais, Virginie Olivier avec nous, comme toujours. Salut Virginie. Maxime, est-ce que je peux te demander de venir reculer un peu Facebook? Donc là, j'ai fini de pocher. Je viens mettre ma dorure. Donc en général, quand on fait la pâte à choux, il reste toujours de l'œuf. Et c'est avec ce restant d'œuf, en fait, que je vais venir dorer. Hop. Dorer mes choux. Donc la dernière fois sur le live sur la pâte à choux, on avait réalisé des chouquettes et des gougères. On a 160 personnes en direct, donc c'est que tout le monde partage, c'est bien. Ah ouais, ben merci à tous. Merci pour effectivement 160, ça commence à faire du monde. Si vous voulez inviter du monde, si vous pensez à un ami, à un voisin qui pourrait aimer ces lives, que ce soit celui d'aujourd'hui ou ceux qui viendront la semaine prochaine, allez-y. Il y a Françoise qui dit attention, l'offre fait maison, c'est les 1000 premiers sont validés. Exact, ce sera réservé aux 1000 premiers. Donc, à mon avis, ça va partir d'ici 3 jours. Hop. Parfait. Pour ceux qui nous suivaient au tout début, puisque aujourd'hui c'est le 24e live qu'on fait ensemble, on en a fait un tous les jours à 15h. Vous pouvez retrouver l'historique sur ma page professionnelle sur Facebook. On avait fait des brookies également dans ce moule donuts où on avait fait des petites touches de brownie et des petites touches de cookies. C'était super bon, mais alors c'était bien lourd. On a tout mangé avec Maxime, mais on a quand même bien dû transpirer après pour éliminer tout ça. Même chose pour mes petits Paris-Brest individuels ici. Toc. Il y a bien ce mot qui a partagé. Véronique Parrain qui a partagé. Ah, salut Véronique, c'est adorable. J'espère que tout roule au siège. Hop. Si sur le groupe conseillé, l'offre est prolongée d'après Coralie. Bon ben nickel. Parfait, voilà les futurs Paris-Brest. Hop, petite retouche. Ah oui, c'est prolongé jusqu'au 20 avril en fait. Hop. Ensuite, je viens rajouter des petites amandes émondées. Bon, si elles sont grosses, ça marche aussi, bien entendu. Ça va rajouter un petit goût sympathique, surtout qu'elles vont torréfier à la cuisson. Vous pouvez rajouter du pralin si vous avez chez vous, si vous n'avez pas d'amandes effilé. Ah oui, c'est Véronique Parrain qui précise. Coucou, nous avons corrigé ce midi, l'offre fait maison, elle sera valable jusqu'au 20 avril. Parfait, super. Les 1000 sont déjà dépassés, ce que j'ai compris. Ok, top. Merci Véronique.
Ça, c'est top. Bien joué. En direct, on a les infos à la source. On a les infos à la source et en direct. Top, on a une équipe au top qui est dynamique et réactive. Paris-Brest interdit pendant les vacances de Pâques, d'après Denis. Pourquoi Paris-Brest interdit? Ah oui, d'accord, à cause du confinement. Oh, oh, Denis, quel petit bout en train. Donc Paris-Brest ou Paris n'importe quelle autre destination, hein, puisque effectivement, moi j'avais prévu de rentrer en Vendée chez mes parents. On va rester à Lyon. Alors je vais venir mettre mes deux plaques au four à 190 degrés. Hop. Et c'est parti pour 20-25 minutes. Pour combien de minutes? 20-25 minutes, toc. Je commence par 20 minutes. J'utilise mon petit minuteur. Donc, on en avait parlé la dernière fois. Qu'est-ce qui se passe quand on fait de la pâte à choux? Le principal constituant de la pâte à choux, en fait, c'est l'eau. Donc, quand on enfourne, d'abord, la température de ma pâte à choux va monter progressivement. On va dépasser les 100 degrés. L'eau va se transformer en vapeur. Du coup, ça devient un gaz. C'est ce qui fait gonfler nos choux. Deuxième étape, dedans, on a des œufs et on a de la farine. Et c'est ce qui va venir coaguler. Et dans un deuxième temps, c'est ce qui va venir cuire et figer nos choux. Donc, d'abord, ça gonfle. Ensuite, ça cuit. C'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut surtout pas ouvrir le four pendant la cuisson des choux, parce que si vous êtes sur l'étape où le chou gonfle, en fait, la température refroidit, le gaz diminue en volume, en fait, et les choux retombent. Voilà, donc il faut surtout pas ouvrir votre four pendant cette partie-là. Quand vos choux commencent à prendre une légère couleur dorée, vous voyez que ça ne craint plus rien, vous pouvez ouvrir le four, vous allez vous débarrasser d'une partie de la vapeur qui est contenue dans le four, ça accélère un peu la cuisson et la déshydratation de votre pâte à choux. C'est un peu comme pour les meringues. Voilà. Tu connais l'histoire du Paris-Brest? Le Paris-Brest, c'est un dessert qui a été créé justement pour une course cycliste, pour une course de vélo qui reliait Paris à Brest. Qu'a dit Virginie, je crois. Tout à fait. Donc après, hein, pour la cuisson et la température des choux, vous connaissez vos fours, ne vous fiez jamais à une température et un temps donné, hein, regardez toujours, parce que selon votre four, ça peut cuire plus ou moins vite. Et c'est important de garder un œil. C'est tellement rageant de rater une recette à cause de ça, parce que ça a trop cuit ou pas assez. Bon, en général, le problème, c'est surtout la surcuisson. Parce que quand c'est pas assez cuit, on a juste à rajouter quelques minutes. Pour la tropézienne de cette semaine, qui était vraiment top, on a fait une crème diplomate, si vous vous souvenez. On avait réalisé ensemble une crème diplomate. Donc une crème diplomate, c'est une crème pâtissière avec de la crème fouettée. Aujourd'hui, on va faire une crème mousseline. C'est... Il y a Johan qui est arrivé. Salut Johan. C'est une crème pâtissière à laquelle on va incorporer du beurre. Donc même chose, ça va la rendre beaucoup plus légère. Par contre, en calories, ça va être un peu plus dense. Mais comme je vous l'ai dit, je suis là pour vous apprendre à faire des choses maison, à vous donner du plaisir, à vous véhiculer de la gourmandise. Pour tout ce qui sera diététique, on verra un petit peu plus tard quand j'aurai épuisé tout mon stock de recettes gourmandes. En tout cas, ce qui est chouette, c'est que du coup, je peux me baser sur les lives précédents et puis vous dire là, la pâte à choux est ici, là, vous allez trouver la pâte sablée, là, vous allez trouver la brioche. Et on va pouvoir petit à petit empiler en fait les tuiles pour aller sur des recettes qui vont nécessiter peut-être un petit peu plus d'appareils et aller, pourquoi pas, sur des entremets d'ici peu. Donc là, j'ai 300 ml de lait dans lesquels je vais incorporer une demi-gousse de vanille. Il y a Jocelyne qui est avec nous en beau. Bonjour à vous. Salut Jocelyne. Hop. Donc au niveau de ma gousse de vanille, je viens prendre un couteau. Il y a Virginie qui demande, c'est ce qu'on appelle la crème au beurre, la crème mousseline pour l'interrogation. Non, la crème au beurre, c'est encore différent. Une crème au beurre, il y a beaucoup plus de beurre que dans une crème mousseline. Personnellement, je suis pas très fan de crème au beurre. C'est un peu trop, un petit peu trop dense. En gros, là, je vais avoir ma crème pâtissière et j'ai grosso modo un tiers en poids de ma pâtissière qui est incorporée en beurre. Alors qu'une crème au beurre, c'est plus de la moitié qui est constituée de beurre. Ah, il y a papy qui est là. Ah, excellent. Coucou, Guillaume. Salut papy et mamie, top. Donc papy et mamie sont de Vendée aussi. Ah, La Faute-sur-Mer, sur la côte. Top. Voilà, les choux sont en train de gonfler tranquillement. J'ai hâte de voir ce que ça va donner dans les moules à donuts. Là, j'ai mon beurre pour après. Je mets mon lait à chauffer, donc puissance intermédiaire. Et ensuite, dans un cul-de-poule, je vais venir... Il y a Sandra qui propose que le gouvernement nous donne le CAP pâtissier grâce à notre contrôle continu. Excellent. On va faire une validation des acquis. Bon, en tout cas, j'en ai jamais parlé, hein, mais l'activité que je fais avec Guy de Marle et aussi avec ma micro-entreprise...
Surtout aujourd'hui, je vais parler de celle de Guy de Marle. Elle vous est accessible. Hein. Si vous voulez vous lancer à votre tour, faire des lives et devenir conseiller, vous pouvez. Surtout qu'en ce moment, l'intérêt, c'est que vous pouvez choisir votre kit. Et le démarrage du gain du kit ne démarrera qu'après la fin du confinement. Ça veut dire que vous avez tout le temps pour tester les recettes chez vous, vous éclater, utiliser la boutique en ligne pour vous équiper vous-même et votre entourage. J'ai envie de dire, c'est le bon moment. Moi, quand j'ai démarré en 2014, j'aurais bien aimé avoir des conditions, on va dire, en tout cas avoir ce gain de temps. Donc, si vous voulez, on pourra en reparler en off. Si ça vous intéresse, vous pouvez m'envoyer un message privé ou écrire à votre conseiller ou votre conseillère pour lui demander davantage d'infos sur l'activité. Je sais pas si Papy voit, mais tout le monde lui dit bonjour. Bonjour Papy, bonjour. Bon, bah salut Papy, t'étais attendu, hein. Ça fait 2 jours que les gens attendaient que tu arrives. Hop. En tout cas, je suis super content. Donc, je viens blanchir mes jaunes. Avec mon sucre, légèrement. On n'est pas obligé de faire blanchir comme pour un gâteau mousseline où on veut vraiment doubler en volume. Là, on veut juste en fait homogénéiser. Je rajoute ma maïzena. Donc là, j'ai 3 jaunes d'œufs, 30 grammes, 50 grammes de sucre et 30 grammes de maïzena. Je mélange tout ceci. Il y a Yolande qui dit bonjour, mamie. Parfait. Là, j'obtiens mon appareil. Je vais venir préparer, hop, ceci. Il y a Denis qui dit si vous êtes radin et malin, et ben inscrivez-vous en conseiller. Qu'est-ce que tu insinues, Denis? Que je suis radin et malin. Hop. Ce que vous pouvez faire, si vous avez un peu de temps et si vous avez anticipé, vous pouvez tout à fait faire bouillir votre lait avec la gousse de vanille la veille au soir, laisser infuser toute la nuit au frigo et le lendemain vous pouvez le réchauffer à nouveau. Ça permet en fait à la vanille de bien infuser dans le lait. Le lait c'est 3,6% de matière grasse à peu près, donc en fait ça va absorber tous les arômes de vanille. Maintenant je vais venir ici incorporer mon lait porté à ébullition dans l'appareil précédent. Je mélange pour tout simplement décoller tout ce qui pourrait rester au fond. Et je viens, hop, remettre ça ici. Mes petites marises, je les utilise dans tous les sens. Tac. Alors, je ne vous l'ai pas dit, mais aujourd'hui, on va peut-être être sur un live un peu plus long que d'habitude. En général, d'habitude, à 15h20, 15h30, on a terminé. Aujourd'hui, je pense que ça sera plutôt vers 45-50, puisqu'on a plusieurs appareils. Je reporte ma crème pâtissière donc, sur le feu. Désolé, un chute d'eau. Et je mélange au fouet. Jusqu'à ce que ça épaississe. Mélanger sans discontinuer pour éviter que ça n'attache au fond. Hop. Et ensuite, dans les ingrédients dont nous aurons besoin, on aura le beurre ici et la pâte à tartiner qu'on a réalisée ensemble le dimanche dernier. Pâte à tartiner, donc à base de praliné, de caramel et de chocolat pour les ingrédients principaux. Si vous voulez regarder ça, vous pouvez retrouver le live de la pâte à tartiner. Il y a Véronique par là, qui dit qu'il faut qu'elle parte, mais qu'elle te souhaite. Merci Véronique, porte-toi bien, merci pour ton petit passage, et puis bah, à la prochaine. Et salut tes grands-parents. Hop. Voilà, là ça commence à épaissir, parfait, j'ai une super texture bien liée. Je reste 30 secondes sur le feu, feu vif, je diminue un petit peu. Je veux voir des grosses bulles se former. Parfait. Est-ce que tu te rapproches ou pas? Non, je vais venir. Voilà, nickel. Je viens filer ma crème pâtissière dans mon flexible en plat, tout simplement pour en fait venir la filmer et la laisser refroidir. Il y a Papy qui remercie Véronique par un petit. Excellent. On va tous se manquer les uns les autres après le confinement. Bah nous on a dit qu'elle est en Vendée surtout. Hop. Donc ça, je le mets de côté comme d'habitude. Là j'ai du rab. J'utilise une autre spatule pour venir tout racler. Je déteste gâcher. Hop. Les spatules elles sont dans l'instant gourmand ou pas? Non, pas celle-ci. Il y a Kevin qui est avec nous, Kevin Roche. Salut Kevin. Et voilà.
Donc la crème pâtissière, vous avez vu, c'est fait en deux coups de cuillère à peau. Si vous êtes équipé de robots chauffants multifonction, vous pouvez bien sûr les utiliser. C'est un poil plus rapide. Donc là, je viens l'étaler un tout petit peu et je vais venir la mettre vraiment, mais vraiment rapidement au congélateur en fait pour venir la refroidir. Mais je veux surtout pas qu'elle fige parce qu'après, je vais venir y mélanger mon beurre et il faut idéalement que le beurre et ma crème soient à la même température. Donc grosso modo, ici, on va dire entre 18 et 20 degrés. Toc, je me permets. Guillaume Lesterne déteste gâcher, hashtag pléonasme. Je viens filmer au contact. Toc, pour éviter en fait d'avoir la formation d'une petite pellicule épaisse qui ferait des morceaux pas agréables en bouche. Ensuite, on a vu que je laisse ça bien à plat. Et alors, dédicace à Karine Chevalier qui met ici des pains de glace sur le dessus de sa crème en fait pour venir la refroidir rapidement. Je trouve l'idée top. Mais je n'ai pas de pain de glace. Hop. Je viens mettre ça au congélateur. Parfait. On va laisser ça, je vais dire, allez, 5 bonnes minutes. Que donnent nos choux? Ça pousse. Il fait que 20 degrés chez vous, elle demande Virginie. Je pense qu'il doit faire un poil plus. Il doit faire un petit poil plus. À mon avis, on doit être entre 20 et 25, ouais. Il récupère même les cellophales, Denis. Oui, je te les envoie après, Denis. On peut les recycler pour faire des blouses, des surchaussures, des masques, un petit coup d'éponge. Alors, on a un petit temps de répit. Est-ce qu'il y a des recettes que vous aimeriez voir réalisées ensemble? On m'a parlé de Baba au rhum. J'ai dans les tuyaux également les royaux, le royal chocolat. J'ai aussi des dacquoises avec une petite crème des fruits rouges, donc type pavlova. Demain, je pense que ce sera risotto aux asperges qu'on devait faire la semaine dernière. J'ai enfin réussi à trouver des asperges, donc ça, c'est chouette. Et si vous avez des idées, n'hésitez pas à les proposer, sachant qu'on a déjà réalisé pas mal de petites choses. Et que du coup, moi, ce qui me fait vraiment plaisir et ce qui m'anime depuis le début, c'est de pouvoir vous donner déjà des idées de choses à cuisiner. Les choses pas forcément techniques, mais des choses, tu as une pizza, des pâtes fraîches, c'est cool. Et aussi vous donner des outils et de la technique sur des recettes en fait qui servent énormément. Par exemple, faire sa pâte à pain, faire son pain de mie, faire ses pâtes fraîches, c'est des choses en fait auxquelles on pense pas forcément. Et quand vous les faites, vous vous rendez compte que c'est super simple avec des ingrédients de base. Et en plus, vous faites des économies énormes sur une année quand vous regardez le nombre de fois où vous pouvez le faire par opposition à ce que ça aurait coûté si vous étiez allé les acheter en supermarché ou si vous étiez allé au restaurant. Il y a Myriam qui dit « J'ai déjà tout raté », alors je sais pas ce que ça veut dire. Salut Myriam, souci de connexion, mince. Bon, en tout cas, vous pouvez retrouver le replay au début avec la petite introduction sur Mission Impossible. Donc là, surtout, je n'ouvre pas mon four. Un vacherin, c'est possible, d'après Colette. Un vacherin à étudier, ça serait bon. C'est un petit vacherin avec des meringues. Il faudra qu'on voit les meringues ensemble aussi. Donc là, en préparation de ce qui va suivre, donc il y aura une étape de batteur. Donc je vous préviens, vous pourrez mettre le son en mute chez vous pour ne pas, pour éviter le calvaire auditif. Je reprends une petite spatule. Toc, je viens préparer mes 100 grammes de beurre ici. Maëlle demande un gâteau roulé. Je sais pas si c'est du bon ou pas. Un gâteau roulé? Mais le gâteau roulé, on l'a déjà fait ensemble. C'était le roulé chocolat Kinder Délice Coco. Un fraisier. Ouais, le fraisier. Fraisier en plus, c'est une crème mousseline, donc ce sera exactement la même crème sans rajouter de praliné. Margaret, j'ai vu les asperges dans le casino bar avant. Ouais, exact, c'est là-bas que j'en ai acheté. Des blanches. Bien vu, Margaret. Toc. Donc là, je vais venir crémer mon beurre au batteur. Donc si vous voulez, pendant 30 secondes, vous pouvez appuyer sur la touche de votre ordinateur qui va couper le son ou poser votre téléphone ou vous éloigner. Donne-moi le micro, s'il vous plaît. Pour éviter de ramasser Facebook, on va éloigner le micro. Maxime va le mettre dans sa bouche pour faire une protection. Thank you.
fait de crémer mon beurre. Je viens de lui rendre la texture. Merci Maxime. Il fait tellement chaud, papy dit, il fait tellement chaud qu'on n'en trouve plus ma mie, elle est fondue. Je vais regarder où on est, la crème pâtissière. Ça résonne, il l'a pas mis dans sa bouche. Ça c'est ton père. Maxime s'endort. Comme il a abusé, il a 8 likes, ton grand-père. Papy, tu vas avoir des fans. Donc ma crème pâtissière est encore un peu chaude. Il faut surtout qu'elle soit sous 30 degrés en fait pour qu'au moment où j'incorpore mon beurre dedans, mon beurre ne fonde surtout pas, sinon ce serait la cata. Ça me ferait une crème qui tranche. Et si jamais mon beurre est trop froid, tout simplement, ça fait des gros grumeaux de beurre. Pareil, c'est pas agréable en bouche, ça fait pas une crème avec une jolie texture et une crème qui est assez lisse. Ça commence à se préciser du côté des Paris-Brest. Il y a Pascaline qui est avec nous. Alors ça gonfle énormément dans le moule donuts. Salut Pascaline. Alors, je vais jeter un coup d'œil à vos commentaires en attendant. Ouais, la babette qui me sert de support à téléphone pour la partie Instagram. Ah, c'est ça une babette? Ouais, la babette, c'est ça. Donc, en attendant ici, je peux déjà venir rajouter. Donc, les Paris-Brest sont en cuisson, la crème pâtissière est en train de refroidir. Là, j'ai mon beurre que je viens de transformer en beurre, que je viens de crémer. Hop, je vais venir rajouter entre 80 et 100 grammes de la pâte à tartiner qu'on a réalisée ensemble dimanche dernier. Ça devrait être pas mal. Bon, en tout cas, on a le dessert de prêt pour ce soir. Et je pense que pour accompagner ça, ça sera à mon avis œufs brouillés salade. Hop. Ah, il y a Pascaline qui fait un live 16h pour ses cheesecakes au citron vert. Parfait, alors si vous voulez enchaîner, elle est géniale cette recette en plus, alors je sais pas si c'est à laquelle je pense. Si vous voulez enchaîner sur un lac sympa, ma collègue Pascaline du coup vous propose des cheesecakes avec du citron vert. Bonne préparation Pascaline, c'est Pascaline Plovier Fatus sur Facebook. Je peux pas mettre ça dans l'évier. Bah voyons. Est-ce que c'est bon? Ça devrait être pas mal. Donc si on a encore des voisins qui nous regardent, vous pourrez peut-être venir frapper à la porte. Vous prévenez avant et je pourrais vous en déposer un. Excellent. Il y a Clara Permisco qui est là. Bonjour. Salut Clara. Donc les Paris-Brest sont en train de terminer leur cuisson. J'attends que ça dore un petit peu plus. Il y a Vanessa qui demande une commande dans le Jura du coup. Une livraison. Ah, il y a Sylvie qui demande, Nedelec, le lien, je pense, pour le live des cheesecakes. Alors, il faut qu'elle aille sur la page de... Je vais essayer de faire, de Pascaline. Ouais, de Pascaline, c'est ça. Ah. Donc, ma crème est encore un petit peu chaude. Est-ce qu'il y en a qui réalisent la recette en même temps, chez vous? C'est sur sa page perso, Pascaline. Ouais, ce sera sa page perso, tout à fait. Ah, Sylvie! Je pense qu'au bout d'un moment, tu nous maudirais avec toutes les pâtisseries. Et donc, Vanessa a fait une terrine de saumon aux crevettes aujourd'hui à 13h30. Donc, Vanessa, c'est celle dont j'avais partagé le live sur les macarons. Pareil, si vous voulez jeter un petit coup d'œil, allez-y. Donc, ce qui est cool en ce moment, c'est qu'on peut avoir des lives tout le tour du ventre et passer sa journée à regarder les recettes qu'on réalise les uns les autres. Donc, tout à l'heure, vous parliez de faire une validation des acquis pour un CAP pâtissier. Ben, là, c'est d'autant plus vrai que vous pouvez vraiment balayer un large panel de recettes, c'est top, et de techniques. Je ferai un petit post, je pense, où je mettrai les éléments qu'on a abordés, les éléments techniques et théoriques, par exemple, la pousse d'une brioche, en quoi ça consiste, qu'est-ce que consomment les levures, comment ça marche. On a vu la caramélisation, on a vu la pâte à choux, on a vu quand même pas mal de choses, hein, déjà. On a vu pas mal de choses. Vous êtes formidables, les conseillers de Marc, d'après Sandra. Ah, merci Sandra. Donc je prépare ça pour venir y mettre ma crème pâtissière, je reprendrai mon fouet et en fait je vais venir détendre ma crème pâtissière avant de l'incorporer en fait à cet appareil là et ensuite je retournerai battre tout ça avec mon fouet. Je vais prendre un petit peu d'avance sur la suite.
Sylvie Torazza, elle fait aussi du sport. Très bien. Les choux commencent à dorer. Je viens prendre cette fois-ci une douille petit four. Une douille avec des dents comme ceci. Ça fera un joli rendu avec la crème. Ah, il y a Florence qui fait un live aussi à 16h. Comme ceci. Mon chocolat praliné à 16h aussi. Bisous les garçons. Et donc Florence Salle. Oui, c'est ça. Donc Florence Salle, aussi une collègue, fera un live donc sur un praliné chocolat à 16h. Donc là, vous avez le planning qui est prévu pour l'après-midi. Hop, en tout cas, salut à toutes mes chers collègues. Je prépare la poche ici pour venir recevoir la crème une fois qu'elle sera prête. Je vais aller regarder ce que donne la crème pâtissière. Oui, je trépigne d'impatience qu'elle soit à bonne température. J'ai mis le lien du profil de Florence sur le groupe. Enfin, sur le live aussi. Très bien, Maxime, merci. Hop. Voilà la crème pâtissière. On sait qu'elle a déjà bien refroidi quand je peux retirer mon film, vous avez vu, comme ceci, et qu'il n'y a rien qui reste dessus. Donc Denis, effectivement, si je voulais, je pourrais le réutiliser. Mais non. Hop. Parfait. Mettre le praliné. Le pralin. Le pralin. Comment? Comment mettre le pralin? C'est-à-dire, comment je mettre le pralin? C'est Chantal Cochère. Si vous n'avez pas de praliné, vous n'avez que du pralin. Chez quelqu'un m'a posé la question, je vous conseille de faire une crème fouettée, tout simplement, et d'y incorporer en fait votre pralin. Vous mettez entre 50 et 80 grammes de pralin dans la crème fouettée, et ça fera une crème en fait légèrement différente. Donc là, je viens chercher mes gousses de vanille. Donc mes choux sonnent. Toc. Est-ce qu'il faut que je rapproche Et donc là, je viens faire tomber ma crème. Et voilà. Super, quasiment rien qui est attaché. En termes de température, c'est un peu juste, mais je pense qu'on sera pas mal. Il y a Vanessa qui va peut-être faire des paris-bas. Vanessa, vous utilisez. Très bonne idée. Est-ce qu'il faut que je rapproche la caméra ou pas? Je pense qu'on est bon, mais Paris-Brest, ah, ça commence à être pas mal par là. C'est bon, je peux ouvrir le four là, mes Paris-Brest, mes choux ont bien doré. Je viens détendre ma crème pâtissière. En fait, ça veut dire que je viens casser un petit peu les liens qui étaient en train de se former et qui faisaient que ma crème pâtissière commençait à prendre un peu d'épaisseur. Voilà. Parfait. Rapide, hein. Un tout petit coup de fouet. Voilà le morceau de vanille qui m'avait échappé tout à l'heure. Fuit. Donc les morceaux de vanille comme ceci, après je les passe à l'eau. Comme je vous disais la dernière fois. Est-ce qu'il y a des choses On va rapprocher un peu. Hop. Alors je vois pas, est-ce que tu peux m'aider? Voilà ma crème pâtissière, voilà le mélange beurre et praliné. Et voilà les gousses de vanille séchées que je mixerai plus tard en fait et qui me permettront d'obtenir une poudre. Une poudre de vanille qu'après j'incorpore en fait dans mes gâteaux et dans mes préparations. Donc maintenant, je vais venir rajouter. Attends, est-ce que je suis bien là? Parfait. Attends, je vais me mettre ici. Hop. Est-ce que je suis bien là? Tu peux vérifier. Nickel. Je viens rajouter la crème pâtissière au reste. Hop. Surtout, ne faites pas votre crème en avance parce que quand vous allez la stocker au frigo avec le beurre, elle va figer et après vous aurez énormément de mal à la travailler. Faites très attention. Donc, même chose que tout à l'heure, je vais redonner un peu de batteur pour venir foisonner tout ça et avoir une crème bien lisse, bien aérée. Ça va faire un petit peu de bruit. Voilà. Là, tu vas faire du bruit? Ouais. Alors, attends. C'est reparti. Thank you.
Le four a sonné. Le four a sonné. Donc là j'ai une super texture. Récupère ça, s'il te plaît. Je crois que tu peux te déplacer. Ouais, j'arrive. Toc. Voilà la crème mousseline. Comme d'habitude, à cette étape, c'est important, on vient goûter. Et là je pense que vous avez envie de plonger dedans. Alors, voyons voir. C'est excellent. J'adore ça, c'est un de mes desserts préférés. Papy, d'ailleurs, on t'a dédicacé cette recette parce que toi aussi, c'est un dessert que t'aimes beaucoup. Donc, ma crème est prête. Je vais venir la transvaser. Alors, je n'ai plus assez de Maryse. Les choux vont cramer, ça a sonné au four d'après Marc. Non, jette un œil, hein, vous en faites pas, merci d'y penser. Voilà. Je laisse donner un tout petit peu. Donc on a dit le code promo, il fonctionne toujours. Oui, tout à fait, le code promo fonctionne toujours. C'est quoi, c'est fait maison? C'est fait maison en majuscule. C'est quoi déjà? C'est 10 euros. Et c'est 10 euros offerts en fait pour 59 euros d'achat pour toute première commande passée sur le site. C'est hyper intéressant, hein. C'est en 6 ans, c'est la première fois qu'il y a une offre qui est aussi intéressante. Virginie dit que t'as menti, tu as mis 20 et 25 minutes normalement. Ah non, c'est pas, elle dit que c'est pour ça qu'on attend un petit peu plus. Alors, j'ai dit 20-25 minutes, mais selon la taille et selon le four, ça peut changer. Là, en fait, j'ai mes choux du bas qui sont prêts, mais le moule de nuts, du fait qu'il y ait plus de matière, ça rajoute un peu de cuisson. C'est ce que je constate. Ah, Loulou a fait les super gâteaux hier, elle dit que les super gâteaux d'hier sont plus rapides et très bons. Oui, c'est sûr qu'hier on était sur une recette un peu moins technique. Voilà. Et voilà pour ici. Alors, on y tient. Alors, regardons le résultat avec le moule à donuts. Franchement, nickel. Super pratique. Et tu peux dire à Virginie qu'elle suit vraiment tout. C'est Virginie Olivier est au top. Hop, ben merci Virginie. Alors ce que je vais faire maintenant, je vais venir prendre une volette. Je vais venir mettre mes choux dessus. Il y a Vivien Mantel qui a utilisé l'offre, elle dit qu'elle est top. Ouais, salut Vivien. Alors je vais venir récupérer. C'est jusqu'à quand la promo? Jusqu'au 20, c'est ça, hein? C'est jusqu'au 20 avril, tout à fait. Et on a eu la foi à la source de Véronique Parrain. Véronique Parrain qui gère le service conseiller de Guy de Marle, qui nous a confirmé que l'offre avait été prolongée. Parfait. Alors, je dirais que dans les donuts... On voit pas ce que tu fais vu qu'il y a juste le truc devant là. Ouais, je vais enlever tout ça. Je vais enlever tout ce qui est chaud. Donc les amandes qui restent à côté, je les récupère et après je les mets sur des desserts, sur des verrines. Je ne les jette surtout pas. Voilà pour nous. Alors on obtient les premiers Paris-Brest que j'ai fait sur la toile. On a une super cuisson au-dessous et on a ce fait avec du coup le moule de nuts. Forcément, étant donné que ça ne peut pas transpirer par en dessous, respirer, on a une cuisson un peu moins intense et on a quelque chose du coup qui va être un peu plus mou. En tout cas, les deux marchent très bien. Donc là, en live avec vous, je vais en dresser quelques-uns et puis je ferai la suite en dehors parce que là, il va y en avoir pour un petit moment. Si Lucas dit mieux sur la cible pain. Ouais, sur la cible pain, je trouve le rendu plus sympathique. Par contre, si vous avez les deux, allez-y. Donc là, je vais venir couper le dessus. Marie-Noël Éthique dit comment est la cuisson dans le donut. Alors la cuisson... Je vais remontrer, je vais faire un petit zoom pour Facebook. Là, avec mon couteau, je viens couper la partie supérieure. Toc,
Voilà. Il y a Rachel, c'est coucou, c'est dommage, j'ai déjà fait une commande, donc pas droit à cette offre. Ah oui, c'est les nouveaux, c'est ça? Alors, ce que tu peux faire, Rachel, c'est... Sinon, parrainer des gens autour de toi. Avec la boutique, vous pouvez parrainer, vous allez dans mes informations, mon programme de parrainage, et vous pouvez parrainer des gens qui pourraient être intéressés par les produits, vous leur offrez 5 euros, et vous, vous récupérez 5 euros quand les gens commandent. C'est aussi une autre alternative pour profiter des deux offres qui sont bien en ce moment. Donc là, regardez, j'obtiens une cuisson ici qui est un petit peu moins intense que celle que j'obtiens sur ma Silpa. Regardez, hop. Là, on voit bien en plus les mailles, on voit que ça a bien, bien transpiré. Donc sur celui-ci, ça a plutôt bien rendu, mais par exemple, si je prends celui-là, regardez. Celui-là, il y a eu un petit peu d'air qui s'est coincé, on dirait que vous avez vu, la cuisson est un peu moins jolie. Mais en tout cas, si vous avez besoin de faire beaucoup de pare-bresse et si vous devez dépoter, vous devez en faire en grosse quantité, ça marche super bien. Je vais venir prendre mon plat de présentation. Petite dédicace à tous ceux que j'ai eu en cours d'ailleurs pour les Paris-Brest. Le dernier cours que j'ai fait, c'était Paris-Brest, c'était le 8 mars. Je pense notamment à Sophie. Sophie, si tu nous regardes de l'île d'Oléron, coucou. Donc quand vous venez couper le petit chapeau sur le dessus, arrangez-vous pour que vous soyez légèrement au-dessus de la moitié, parce qu'en fait, si jamais vous avez un chapeau qui est trop grand, ça va venir cacher le dessus de la crème quand vous allez pocher, et c'est dommage, alors qu'un petit chapeau finement posé sur le dessus, c'est beaucoup plus sympathique. Et lui, ils aiment en faire un grand. Vous pouvez en faire un maxi, hein, bien sûr. Maxi, vous allez faire un grand cercle, donc je vous conseille de prendre une assiette pour faire votre pâton, et ensuite, vous allez faire un premier boudin, un deuxième autour, et un troisième, en fait, dans le creux des deux premiers. Ça permet d'avoir en fait un plus gros boudin. Parce qu'imagine un grand Paris-Brest, mais qui ferait ce diamètre-là, enfin qui ferait cette épaisseur-là, ce serait un peu décevant. Celui-là est bien cuit aussi, je vais le prendre. Un maxi pour... Hop. Donc là, ce que je vais venir faire avec mes chapeaux. Hop. Je vais utiliser un accessoire très sympathique. Je pense qu'il va en faire rire plus d'un parmi vous. Est-ce que vous pouvez me dire comment se nomme cet ustensile? Je sais. Qui contient du sucre glace. Jingle, attention, logo, moins de 18 ans. Comment c'est déjà? Est-ce que tout le monde voit bien ici? Un gros boudin, c'est bien. Voilà, la petite touche de sucre glace sur le dessus, très important. Et Louis, t'enverras une photo de son maxi. Carrément, hein, oui. Comme d'habitude, envoyez-moi les photos de vos réalisations, c'est toujours avec plaisir que je regarde ça. Donc maintenant, c'est parti. Soupoudreuse. Alors, soupoudreuse, ça c'est le nom sympa, c'est pas le vrai nom, c'est pas le nom qu'on utilise. Un plug, d'après Yann. Un quoi? Un plug. Alors non, mais on n'est pas loin. C'est devant, c'est pas derrière. Ah, une branlette. Oui, une branlette, exactement. Ça s'appelle une branlette. Je vous laisse deviner pourquoi. Allez, on enchaîne. Du coup, je viens prendre ma crème. Voilà, crème mousseline pralinée. Et donc ici, plusieurs façons de s'amuser à pocher. Soit je viens faire des petites touches de crème comme ceci. Il faut que je rapproche, non? Attends, parce que là, tu t'enflammes. Hop là. Attends, tu vas me dire parce comment que... ça ressemble. Là, je peux venir rajouter. Et je vois pas ce que je fais, Guillaume. Plus. Alors, attends. Attends, il faut que je mette ça. C'est parfait, nickel. Là, si je me mets comme ça, normalement, vous voyez bien. Je rajoute ensuite, en quinconce, une plus petite touche de crème pour donner de la hauteur à mon Paris-Brest. Et là, je viens rajouter, comme ceci, mon chapeau. Plus classique, on peut venir s'amuser à venir faire tout simplement, comme ceci, un boudin, comme lors du pochage. Et je rajoute mon petit couvercle. Et après, c'est ce qu'on s'amusait à faire l'autre fois. La madouille est un peu épaisse pour le faire, mais on peut s'amuser à venir faire des petits tortillons, comme ceci. Moi, je suis un or sup, là. Hop, je rajoute à nouveau mon petit chapeau. Et sur le dernier, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Papy, il a dû aller faire un tour dans la piscine, on voit plus. Papy est parti prendre... jardinier. Prendre l'air ou faire des Paris-Brest. Hop. Voilà, je vais y aller un peu plus généreux, un peu moins généreusement sur la crème pour les prochains, parce qu'il m'en reste pas mal à faire. Tiens, Christine t'a partagé, tu peux remercier, c'est cool. Merci Christine. Et voilà. Je vais faire une jolie photo que je posterai.
Donc voilà ici les Paris-Brest. Donc là avec des petites touches sur le premier, ici en boudin et ici avec les petits zigzags. Et là j'ai refait comme le premier. Hop. Voilà. Voilà le dessert de ce soir. Donc ben, Paris-Brest c'est un dessert quand même qui commence à être technique hein, parce qu'on a quand même une pâte à choux, on a ensuite une crème pâtissière et qu'on transforme en crème mousseline. Donc la crème mousseline, ce sera le même principe pour faire un fraisier, sauf que là on va utiliser ou un cadre inox ou un cercle inox. Et ensuite on va venir tapisser de rhodoïdes autour, on va venir mettre des demi-fraises tout autour, une génoise traditionnellement comme biscuit, donc on va venir poncher, hein, très important de poncher comme pour notre roulé Kinder Delice Coco, parce que la génoise sinon c'est un gâteau qui va être un peu sec. Il est 49, pile poil dans le timing de ce que j'avais dit. Donc on est deux fois plus long que d'habitude, ne hein, vous en faites pas. Demain ce sera risotto, champignons, asperges. Ça sera plus court, ce sera fait en 20 minutes. Il y a Ryan qui trouve le deuxième au top. Ah, salut Ryan. J'espère que tu vas bien. Merci pour ton petit mot. Et du coup, on a terminé pour aujourd'hui. Donc si vous n'avez pas de questions, avec Maxime, on va aller transpirer un petit peu en prévision de ce qu'on va manger ce soir pour éviter d'être comme des gros fatos à la fin du confinement. Ça, c'est trop tard, je crois. Papy, est-ce que tu nous entends? Papy est parti. Bon, en tout cas, nickel. Merci à tous, en tout cas, pour votre fidélité, pour votre soutien. C'est cool. C'est super sympa. À partager avant de partir et puis à liker ta page pro aussi. Ça marche. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez être informé quand les lives sont lancés, vous pouvez aller sur ma page. Vous allez cliquer sur voir en premier sur la page. Comme ça, vous recevrez normalement une notification dès que le live démarre. Et on a terminé pour aujourd'hui. Donc ça veut dire musique, mais exactement.